Je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 571 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce jeudi 23 septembre 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1688 tests réalisés, 14 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,82%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 2 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 12 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Il a été notifié 4 cas communautaires dans la région de Dakar, tandis que dans les autres régions du pays, on a notifié 8 cas communautaires. Toujours dans le bilan du jour, il est à relever que 296 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 12 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés le mercredi 22 septembre 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 73 706 cas ont été déclarés positifs, dont 70 968 guéris, 1853 décédés et donc 884 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 1 232 940 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, tout en leur faisant les recommandations du jour, notamment prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté, et veillez sur les conseils de ce matin axés autour du port correct de masques, bien ajustés couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Les personnes non encore vaccinées sont invitées à aller le faire au niveau des lieux de vaccination désignés. Après avoir été vacciné, de conserver soigneusement leur carte de vaccination, ne pas oublier le rendez-vous pour la seconde dose, continuer à respecter les mesures barrières et enfin, nous vous rappelons également que la vaccination est gratuite sur l'étendue du territoire national. Je vous remercie de votre attention.